Bokeh, on est dans le Kisou Shulchan Aruch, le Shabbat, Siman Shin Yud Het, Ket, Ashochet Vavashel Lecholé. Un homme que lui, il fait la Shkita pour un malade, ou qu'il cuit pour un malade. Voyez, Michel, le Shabbat, et soyez cholé, Shen Bo Sakana, Asur le Bari, le Chol, Mitafshil Zé, le Shabbat, Vimaita, Melacha, le Bishul, Shiesh Bo Isu, Bishul Egoïm. כן, כגון דבר שאי אפשר לאוכלו ולא בישול, וגם עולה על שולחן עם הלכים, כשהוא נעשה בבית גוי אסור לבריא לעולם, מדין בישולי גויים, וגם לחולה עצמו אסור לאחר השבת, כל שאפשר לבשלו מחדש על ידי ישראל, שלאותר בישול הגוי לחולה, אלא רק בשבת, שאי אפשר לבשל לו על ידי ישראל. אולם הגדרה עצמה מותרת לאחר השבת ואינה צריכה גלה. אבל אם הגוי בישל בשבת לצורך החולה בביתו של ישראל או בבית חולים יהודי, מותר לאכול מתבשיל במוצאי שבת, כן? אפילו לבריא וכל שכן שאין הכלים צריכים הגלה, והגדרה גדרה שבישל בה הגוי בימות החול צריכה הכשר בהגלה. כן, איפה סבור, פה יהיה בישול לגויים. כן, זה בדיוק בישול לגויים. איזה הלכה? הלכה ג' כן? כן, זה כוסף את דיר בישולי גויים. חכמים מזרון אינטרדי בישול גוי. אין דה רזון משום חתנות. ופה כי זרים חס ושלום עשה מריה. כן? זה כוסף את זה כאן לגוי לוי יקפי פה לג'ויף. זה יהיה להרמוני, יהיה... מנג'י, זה רוסר בין. זה כן. Ça approche les cœurs un à l'autre, etc., etc. Alors les Chachamim, ils ont institué que c'est un issur des Rabbanan de ne pas manger d'un plat goy qui a été cuit par un goy, même que le manger il est kasher, et que ce plat-là, il monte à Shulchan Melachim. Ça veut dire que ce plat-là, okay, c'est un plat qui est hachou. Si c'est un plat qui n'est pas hachou, ça veut dire que sur une table d'un roi, bon, il ne va pas être monté sur son plat-là. Mais là, ce plat-là, il n'est pas sur un, deux. C'est par exemple, c'est un plat qui se mange cru. Puisque c'est un plat qui se mange cru, quand le goy, lui, maintenant, il va le cuire, ce sera permis pour le Israël. Ou pourquoi aussi. Parce que c'est cru. Il n'y a pas de problème. Mais il le cuit, le goy. Même qu'il le cuit, mais sauf Chachamim le gazrou. Il faut savoir, un mamou. Je comprends pas. Un plat, il est toujours cru avant qu'il soit cuit. Non, il y a des éléments qui se mangent pas. Non. Qui se mange cru. On parle d'un plat qui se mange cru. Oui. Puisqu'il se mange cru, tu n'as rien rajouté. Et donc, tu peux, si maintenant le goy, maintenant il a cuit. Il a cuit quoi? Ce plat-là. Cuit? Non, cru. Ce plat qu'il est cru, qu'il peut se manger cru, toi, tu peux le manger. Donc une carotte, par exemple? Une carotte, par exemple. Si il a cuit, tu peux le manger. Et après, ça, tout cela, c'est des halakhot de Yatsmam. On dit sur un pied, les halakhot de goy. De toute façon, tant que quelqu'un n'a pas vu clair qu'est-ce que c'est moutard ou qu'est-ce que c'est assou, pour l'instant, tout c'est assou. Pour rendre tout permis, il faut étudier. Parce que comme nous, on ne sait pas, par exemple, il y a des fois des restaurants, okay, qui marquent. Tous les cuissons, ils ont été cuits par un juif. Ah, tu vois, un Taïwanais, il cuit là-bas. Oui, ils ont été déjà cuits. Non, c'est pas un juif. On parle qu'il n'est pas juif. Il y a des Taïwanais qui sont juifs, d'accord? Mais on parle que lui, il est pas juif. Et puisque maintenant, ce plat-là, déjà, il était cuit, trois quarts de cuisson, mais là, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il n'a rien à rajouter, mais là, ça sera moutard. Tout cela, on va étudier Bezat Hashem dans Bishul Goïm. Mais il faut savoir que Chachamim aime Amou et aime Amou. Eux, ils ont dit quand c'est moutard, eux, ils ont dit quand c'est assour. Et on va, Bezat Hashem, étudier quand dans Bishul Goïm. C'est quel Sechet qui s'occupe? Qui traite de ça? Enfin, Yorodea. Il y aurait des amis. Il y a pas de Mais ça va être Roulin. C'est bon. Ken. Maintenant, un goy que lui qui l'a cuit, de toute façon, comme on a dit, M'amou, le goy quand lui il cuit pour un cholé chez Bostakana, Be Shabbat,
Alors ça sera mouta pour le Israël, d'accord? Ils ont permis les chachamim parce que les juifs ne peuvent pas cuire mes Shabbat. Alors ils ont dit, goy, c'est interdit qu'il cuit. Mais Shabbat, quand c'est les tzorech chez cholé chez Boshakana, oh les tzorech cholé chez En Boshakana, on verra dans quel cas. Alors cette cuisson là maintenant elle sera mouterette pour lui pour manger. Ah tu vas me après dire. Après Shabbat tu veux dire. Attends, je peux pas. Après Shabbat c'est un autre inyan. Pourquoi pas maintenant pour Shabbat. Pourquoi maintenant pour Shabbat tu vas profiter de ce plat du goy qu'il a cuit. Ah c'est bichou les goyim. Alors les chachamim ils ont institué. Chol c'est assou. Shabbat c'est moutar pour un cholé. Même que c'est bichou les goyim. C'est ce que dit la halakha. Attends, on verra. La halakha alef. Et tu le comprends, Rabbi Nicolas. Oui, oui. Non, mais on verra dans guillemets. Moi, je donnais un klal. Même que Bishoulé Goïm, c'est un sourd de manger Bechol, mais Shabbat, c'est moutard. Pour un cholé chez Esh Bosakana, même dans des cas de cholé chez En Bosakana. On verra. Ou dans des cas, oui, dans des cas, non. On verra. Le Rav va nous expliquer. Maintenant, un goy, chez Michel Bechabat, est-ce qu'on est chez En Bosakana? Maintenant, un goy qui l'a cuit, Bechabat, pour un cholé qui n'a pas de sakana. C'est-à-dire qu'il est malade, il est au libre, Aminan, mais il n'y a pas de sakana. Bon, Hachem, Bezat Hachem, doucement, il va guérir. Mais pour l'instant, maintenant, il est malade, et il faut lui cuire du manger tous les jours. Okay. Du manger qui est frais. C'est ça, c'est le docteur qui l'a dit, etc., etc. Tout cela, c'est le docteur. Eh bien, maintenant, le bari, celui-là qui est en bonne santé, asur lo lechol mitavshil ze beshabbat. Il ne pourra pas manger de ce plat Shabbat. Une des raisons, c'est de peur que le juif va dire au goy, tiens, rajoute-moi encore un poulet là-bas. Oui, ça y est. Le rav du goy chez Michel, ça c'est bidiarad ou le khatrila, il peut le faire le goy. Le goy peut faire le khatrila. Pour le chez El Bosakana, le cholé chez El Bosakana, il peut manger de ce. Il n'y a pas de hissour là-dedans. Le khatrila, il peut le faire. Veim aïta melacha ve bishul chez bo hissour bishul le goy. Et si maintenant, cette melacha là maintenant, c'est une cuisson que le goy lui, il s'est interdit de. Ce que de nous de profiter de cette cuisson là parce que c'est bishul egoïm. Donc il gagne d'avoir chez Yeshua le chlor belo bishul. Que par exemple un morceau de viande, que c'est impossible de le manger. Je vais pas dire un morceau de viande. En général un morceau de viande on le mange pas cru. Maintenant, mais même que c'est possible de le manger cru. On va dire un poulet. Un poulet on le mange pas cru. Alors puisque maintenant même qu'il nous dit, comme par exemple, okay, un poulet que on ne mange pas cru. Et aussi, les rois, ils mangent de ce manger-là, comme on a dit le poulet. Si maintenant, okay, il le fait chez lui à la maison, ce goy, c'est un catering, chez lui à la maison, assour, non, pour le bari. Pour le bari, c'est assour léolam. Le bari, lui, un homme qui est en bonne santé, Baruch HaShem, même après Shabbat, okay, il ne pourra pas profiter de ce plat-là, le juif. Midi, bishulei goyim, vegam lacholé atzmo asur lahar Shabbat. Shabbat, ils ont autorisé pour le malade, mais après Shabbat, ils n'ont pas autorisé. Baruch HaShem, tu peux maintenant donner à un juif que lui qui peut cuire ce poulet-là, tu ne vas pas maintenant profiter de ce poulet-là. Même après Shabbat, tu as mangé Shabbat d'une cuisson qui était mevouchal et des goy, aval, puisque maintenant c'est après Shabbat, tu n'as pas le droit, même le cholé, il n'a pas le droit de le consommer, de le manger. Rochev, Shalom, Vachel, Lomé, Hadash, Alédi, Israël, que tout, quand on parle d'une façon que c'est possible que l'Israël peut le cuire pour lui. Alors, tu peux profiter d'un Israël qui te fait un autre poulet. Alors, tu n'as pas le droit de manger de ce poulet-là, okay, même s'il te reste. Mais ça veut dire que tu prends le poulet qui a été cuit par le goy. Shabbat, chez lui à la maison. D'accord, chez le goy. Et éventuellement, tu le prends après Shabbat, le juif, et il le recuit. Pour et là,
Et là, le cholé pour le cholé. Non, c'est assou pour le cholé. Alors c'est quoi, c'est pas. Quand chez Efchar le vachel l'eau mechadash al yedi Israël. Mechadash akavana une autre cuisson. Ça évidemment. On va pas dire tous les poulets du monde sont interdits. Ben voilà. Ben voilà, ce sera assou. Je comprends que c'est sur le plat qui a été cuit par le goy. C'est assou. Autre pas. Si maintenant puisque il y a une possibilité que toi que le bon l'homme qui est malade que Israël dimanche peut lui cuire un poulet. Un nouveau poulet. Tu n'as pas le droit de profiter de ce poulet qu'il a été cuit Shabbat dans la maison du Goy. Et sinon Bichoulet Goyim. Et sinon quoi sinon. Si maintenant il n'y a pas d'autre, il est dans le désert là. Il n'y a pas le choix, c'est ça qu'il a. Il peut peut-être profiter. Parce qu'il te dit J'ai l'orda Bichoula Goy le cholé et la ragbe Shabbat chez I Efchar le vachelo à l'idée Israël. Que tout ce qu'on a permis. Bichoul Goy pour un malade, Dafka, Shabbat, parce que l'Israël, il ne peut pas allumer et cuire Shabbat. Pour le cholé. Pour le cholé. Ok. Chez Yevchal et Vachal et Ken. Oula. Maintenant, la marmite. C'est la marmite d'Israël. Puisque maintenant, la marmite, elle a été cuite avec du manger, que ce manger-là. C'est un manger qui a été cuit par un goy. Il faut savoir que elle a observé de Issour. Absorbé de Issour. Même s'il n'y a pas eu d'Issour, c'est un problème. Il n'y a pas eu d'absorption de Issour, c'est un problème. On l'a marmite quand même. Non, c'est de Issour. Oui, c'est ça. La marmite, elle a. On doit faire un gala. On devrait faire un gala. Attends. En général, si maintenant même il y a s'il un goy que lui qui l'a cuit okay, dans une marmite, qui ça s'appelle Bichoul Goyim, il n'y a pas toutes les conditions, et eh bien la marmite, elle est interdite de le remanger avec. Même s'il n'y a pas eu de tarif là-dedans. On ne voit pas qu'il y a de tarif. Si c'est tarif, c'est bien un soumis la khatri là. Ça ne commence même pas. On parle qu'il y a du manger cachère. Rien que parce que Bichoul la goy, cette marmite, elle est assour. Il faut faire agala. Et pourquoi tu dis ça? C'est parce que. Einat sricha agala. C'est des. Dans un cas pareil, l'autre sera agala. Mais je parle maintenant dans un cas à côté. Dans quel cas? Un cas que c'est une marmite. Il n'y a pas Shabbat. Un juif, c'est pas Shabbat. Tu l'as donné. Tu dis à un goy, fais-moi un plat. Dimanche. Chez toi. Même tout ce que tu veux. Ou chez moi. Tout ce que tu veux. Il cuit une cuisson, il n'y a pas un malade, c'est dimanche, et il le cuit, ça s'appelle Bichoule Goyim, la marmite sera gala. Comme si un homme, lui, il a pris une viande très fat, et il a cuit le juif, et dans cette marmite-là, elle est devenue quoi? Très fat. Elle a absorbé de la très fat, puisqu'elle a été bolaat la très fat. Maintenant, il faut enlever la tréfa. Comment? Il faut le mettre dans l'eau bouillante, que toute la marmite, elle recouvre, que l'eau recouvre toute la marmite d'en haut et d'en bas, dedans, ça boue. Après, tu le prends, tu le sors, tu le mets dans l'eau froide. Okay? On parle quand il fait la gala. C'est pas le jour qu'il a cuit. Il faut qu'il passe, méret l'éret, 24 heures. Après la cuisson. Ça dépend du type de cuisson qu'il a fait avec la marmite. Si c'est avec de l'eau, il a fait bouillir de l'eau, il a mis sur le feu. Kevolo carpoto. En général, une marmite, robe à tachmiche, c'est avec de l'eau. Avec de l'eau, robe à tachmiche. On parle de la poêle. Dans la poêle, il y a une machloquette. Dans la poêle, il y en a qui veulent dire, puisque, en général, tu utilises un tout petit peu de l'huile, ou pas qu'elle colle, l'aliment que tu fais un steak ou tu fais un œuf. Alors, mais là, avec la poêle, tu n'as pas le droit de faire agala, il faut faire liboun. Alors ça ne sert à rien, tu prends, tu le jettes. Regarde, pourquoi l'huile? Pourquoi tu m'introduis la notion d'un peu d'huile? Parce que le issour, tu veux dire que le issour, il colle à la paroi? Non. C'est quoi alors? Le problème, il est comme ça. On va d'après, pour la agala, acharov tashmisho. Qu'est-ce que ça veut dire acharov tashmisho? La majorité de l'utilisation. Si tu l'utilises avec de l'eau, tu fais des soupes, des plats, mais là tu dois faire agala. Oui, mais si maintenant tu fais pas un plat, et là tu fais un steak ou des œufs
comme dans la poêle, qu'il y a un tout petit peu de l'huile. Mais là, Rov Tachmisho, c'est quoi? C'est l'obichoul, c'est pas liquide, mais là, tu dois faire l'iboun. Maintenant, sur la poêle, Rov Tachmisho, comment? En général, ça dépend. Comment? D'après Maran Ashkhanarouk, la poêle, l'autre, ça arrive à l'iboun, ça arrive à Agala. Même que, top, il y en a des poskim qui disent l'inverse, mais la poêle, il faut voir comment tu l'utilises. Si c'est Rav Tachmisho, la majorité de la cuisson, c'est avec du liquide. Même que tu fais maintenant tu mets un peu de huile rien pour pas qu'il se colle, comme les malawar, comme les œufs, tout cela. Eh bien, cette poêle-là, okay, pas besoin de faire l'iboum. Elle a agala avec de l'eau bouillante. Alors, il nous dit le Rav, on revient sur Bishul Egoïm. Oula Magdera, Asma Muteret, la Lachar HaShabbat, Benat Zera Agala. Non, dans cette cuisson-là, maintenant qu'il a fait le goy, okay, pour le cholé, Shabbat, alors cette poêle-là, maintenant, ça sera moutard de. La marmite, ça sera moutard de cuire après Shabbat tout ce qu'on veut, et pas besoin de hagala. Vali, ma goy, bichel, be Shabbat, et sera cholé, bebeto, chez l'Israël. Si maintenant le goy, il a cuit, c'est un autre cas maintenant. Le goy, il a cuit dans la maison d'Israël. Okay. Ou il a cuit dans un hôpital. Pour un malade. Alors, Motsei Shabbat, le juif, il pourra manger de. Le juif qui est en bonne santé. Il pourra manger de cette cuisson-là, le Motsai Shabbat, le Rocheken, Enna Kelim, et plus forte raison que les Kelim, les ustensiles, okay, ils sont cachers, pas besoin de faire la Hagala. Seulement, si le Goy, lui, il a cuit pendant la semaine, alors là, Tsarir Hagala. Pas chez le Juif, chez lui-même. Exactement. S'il a cuit chez lui-même. Et il y a trois conditions. Il faut qu'il y ait, faut que ce soit, faut qu'on puisse pas le manger cru et que le goy le cuise. Et donc à partir de cela, on peut le manger. Oui, mais ne fais pas maintenant des conclusions sur ce sujet à halakha. Il y a beaucoup de knaïm que ça sera assur ou mouta. Ça, les attachés, on va apprendre dans les cas. Pour l'instant, dans cette halakha, je veux dire, dans cette halakha. Oui, d'accord. Il faut que ce soit cru. Faut que quand ce soit cru, je ne puisse pas le manger, okay, et que la cuisson du goy me permette de manger cet aliment. Il faut qu'il puisse monter sur la table du roi, c'est-à-dire que ce soit un plat chachou, et il faut qu'il soit cuit chez le goy. Si je n'ai pas ces trois conditions-là, moutar le echol, mais un tapchil azé, mais motza et shabbat. C'est plus compliqué que ça. C'est pas. Tu fais un résumé de la halakha. Je suis pas clair. Je fais un résumé de cette la halakha. Oui, c'est tout. Point, sans plus. C'est d'accord? Pour l'instant, dans cette halakha, oui, c'est d'accord. N'ayez pas peur de. Non. Résumons tel que c'est. Parce que non, regardez. Les chachamim, eux, ils ont institué des halakhot. Ils ont institué des issourim. Parce que de peur qu'un homme, il fait des rapprochements. Ça va vite, des rapprochements. Un homme, il a étudié une halakha par là, d'un côté. Et après, il dit Ah, ça ressemble à cela. Et il va trancher de l'autre côté, il va dire ça sera moutard. On fait tout ça. Mais oui, on fait tout ça. Mais oui, c'est obligé. Mais non, fais très attention, c'est assourd de faire ça. Un homme, il peut manger, il peut faire des issourim. Après, il se pose des questions. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi ça? Monsieur, tu as mangé issour. Mais je ne savais pas. Il ne fait pas de rapprochement. Et tu dis la halakhot comme il faut. Azakobo. Par exemple, je ne dis pas que c'est à la fin. Ok, maintenant, Hanouka.